Yes. It's not really, it's just trying to find out our relation to the space and the screen. Okay. And we try to do that closely, slowly, concentrated, and trying to remember in our body more or less what we did and how the distance are. So the first thing is, go with your hand to the webcam and look at the same time at the image at what is happening. And then we go back again. The hand is leaving the image. And I think we should do it a second time. Maybe with our eyes closed now, try to find the webcam directly. If you think you are there, you open your eyes and you control it. If it was at the webcam or not. Muriel, je pense que je l'aurais dû peut-être le dire en anglais. D'abord, tu vas vers la webcam avec les yeux fermés. Une fois que tu es là, tu ouvres les yeux pour voir si tu as bien fait ou pas. Voilà. Après, avec nos mains, on va toucher le bord de notre écran, complètement de tout l'écran physique. Et on va voir qu'est-ce que ça fait. Donc, vraiment toucher l'écran et qu'est-ce que ça fait avec l'image de ton corps quand tu fais ça. Haut, en bas, vers le haut. Que l'écran. Touchez vraiment le fond de l'écran, le dur de la chose. Et reviens. Et c'est surtout important de t'imprégner un peu de l'image que ça donne. Est-ce qu'on a besoin de le refaire une fois? Pour bien connaître l'image, c'est OK, hein? La deuxième chose maintenant, c'est qu'on est dans le vide et au niveau de notre corps, donc ce niveau-là, on va essayer avec nos mains de suivre le bord de notre image, de l'écran. Donc on le touche, on est dans le vide là. Je trouve ça super compliqué d'ailleurs. Et essayer de trouver plus ou moins et de garder en mémoire un peu quoi faire pour toucher ce bord-là. Pas au milieu, moi. Donc, je me remets un peu. C'est super compliqué, hein? Also because it's a mirror. Yeah, mine is mirrored, and that's the difficulty. When you do it with the twice together, the hands together, it's easier, I think. Yes, but then you have to be completely in the middle of your screen, and my screen is not completely, it's not right, not
I'm not in the middle, I think. Yes, you are. Now maybe you are. The webcam, maybe the webcam is not. Something is a bit strange, but okay. Then I would, for me, it's still very difficult. I know that. This is okay. Yeah. Pardon. It's very strange for me because I don't have to do my two hands in the same position exactly. No. No. No, they're not. They're in different lengths. Oui, il y a un biais quelque part. Ça va. C'est parce que ils sont pas exactement de la même distance. De la même distance. Oui. La même distance. Donc, si on fait la même chose maintenant à une distance entre à la moitié entre l'écran et notre corps, comment c'est? Can you repeat that? Est-ce que maintenant on ne fait pas au niveau de notre corps, pas ici, mais à moitié entre l'écran et le corps? Okay. On essaie de faire la même chose. In the middle, in between? Yes. Yes, in the middle between the screen and the body. Between the webcam and the body. Yeah, that's it. Yeah. Yes. And you, do you want we follow the... Yeah, again, we try to follow the border of the image. Okay. Pardon. Oops. Huh? T'es super, Muriel. Toi. Wow. I love it. It's really funny. It's really good. Yeah. Now we have our hands close to our face, just in front, it touching, and we move them up just to see if we have them completely up, what's in the image and what is not. So if we do like that, we see. Now the right arm goes completely to the right. And again. The right. Right, yes. My now the left. And again, we look at what is inside and what is outside. And I find it so strange to see that it's not the same. Yeah. Yes, but I have a laptop, so I can go back if you prefer to. No. It's okay. It's because the relation has to be as it is. Okay. Yeah, and it's just that we know a little bit more about what is in the screen and what is not when we do certain things. Okay. Now, have you defined the distance between the head and the border up? Yes, that for me. Yeah. It's the same size of my, what is the name for that? Forehead. Forehead, yeah? Front. And that. So now we go stand up.
just where you are, you go. It's really complicated. You do and well, how you can anyway, and just look at the image, at what is in the image now. We don't have to change anything, but we know what's in the image. And now put your hand in the middle of the image in front of you, in the middle. Now we go close as possible to the webcam as we with the whole body. With the whole body, and we stay standing like this. And normally the hands should so, and try to look at what it does. And then you go back as far as you can to see how far you can go back. I can't go back. You cannot go back at all, Muriel. No. No, you cannot. Tu ne peux pas reculer? No, I can't. Mm-hmm. Même pas une centimètre, donc. Mais essaye quand même, le plus près et le plus loin. Qu'on voit un peu, ça c'est le plus près. Et là, le plus loin que tu peux aller de... non. Là, c'est le plus loin. Là, c'est le plus loin. OK. Donc, moi, je pensais que je ne pouvais pas reculer de tout, mais je peux reculer beaucoup plus que vous deux, donc. Oui. Oui, OK. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas travailler beaucoup avec cette distance-là. Je ne pense pas. Well, it's difficult because I use un canapé. Mm-hmm. Je suis assise sur un canapé et du coup, j'ai pas la distance pour reculer derrière. Ah oui. Pour ça, c'est pas un bureau. Oui, je vois. Une dernière chose, c'est à partir de cette position-là, sortir de l'écran et regarder l'écran. Et pour savoir à quel moment vous êtes vraiment hors écran, où on ne voit plus le corps. C'est juste pour le découvrir. Qu'est-ce qui se passe si on essaye de sortir de l'image? Par le haut, par le bas, par derrière? Comme tu veux, peu importe. Pour savoir comment le faire. Et essaye de plusieurs façons peut-être aussi. Moi, je ne sais pas. Je vais peut-être prendre un autre truc pour m'asseoir, pour qu'on n'ait pas ce truc noir. Qu'est-ce qu'il y a alors? Go back! Non, maintenant je suis trop petite. Voilà. You have the same at home. You have the same. At home. Don't go out. Okay. So, distance to the screen. The frame. Voilà. Oui. Alors, je pense, moi, je n'ai pas de réveil. Est-ce que vous avez un réveil? Yes, I have. Parfait. What's a réveil? Yeah. What did you say, Daniel? What's a réveil? Réveil, a clock. A horloge. Oh, okay. A clock. The clock. The comment ça s'appelle? How does it call it? How do you call it? Closio. Closio. Closio.
Who loves you? Who loves you? Okay. It's really normal, Daniel. It's we who are not.